Les plaisirs et non, très chers internautes, vous qui aimez la 3W.Bosoloyamboka, comme j'ai toujours l'habitude de dire que Chaîne Moré Amael est présentée par des intelligents, toujours dans les soucis de vous servir au temps réel à la recherche d'informations. Donc, Bissoua Anakin, Moya Makasi, je vous assure, Tara Elonineza, sous les soleils accablants, à la recherche de l'information, tout ça, on a espace à sa neuf. Là où nous autres, il y a Echo, aussi Moukendi, ils ont exposé. Alors, nous sommes là pour avoir vos images, des images plutôt, comme dans le Baraka, pour faire vivre Bino, comme vous y étiez présents avec nous, pourquoi pas. Tous les images, ils ont besoin de la photo, besoin de la photo, comment se possède, ou encore comment s'efface, se passe les obsèques de Rossi Moukendi. Nous sommes là pour vous prendre des images. Puis vous envoyer. Alors, un grand merci déjà à toi, Patty Mukombo, qui assure la prise de vue de cette émission spéciale. Aussi, Moukendi, l'héros national. Un grand merci à notre boss, moi je l'appelle les boss de l'air, boss, lui on l'appelle les Santos de Jura, les chefs d'entreprise. Un grand merci à vous, un grand merci comme ça à Vasco de Gama et qu'on se voit autant en bas à Vasco de Gama, Christophe Mafoute à l'Étoile de Paris. Un grand merci à toi également et Makiala. Big bisous à toi, l'empereur José Carli. Donc, quel est spécial à toi également. Pourquoi pas aussi l'ingénieur Eder Vemba. Big bisous à vous. Alors, on entre à l'intérieur de la SANEF pour voir comment est-ce que ça se déroule, les obsèques qu'il y a aussi. Et puis, donc, on continue à Abino ensemble. Alors, on prend déjà les déroulements des obsèques. Il fallait qu'il tombe d'abord et bien meilleur aussi parce que et le congé à l'obaka et à la n'a l'obaka n'a biso ba journaliste. Un journaliste n'est pas celui qui imagine des choses et qui met sur la place publique. Certainement que la rumeur c'est aussi une source d'information, mais il ne faut pas tout la mongaka kaboye et bien maki que Rossi Asha Kundama. Yango Bomoni Tangana, je ne voulais pas répondre à des questions. Et Senga Kinamona, Naeba, est-ce que c'est Rossi? Ensuite, Natuna famille, est-ce que c'est Rossi? Maintenant que j'ai vu le corps, on est sûr que c'est Rossi que nous plairons aujourd'hui. Mais toujours le la Rossi pendant que Eric Oyakufaka Nambandaka. Il y a eu un procès en flagrance, Batouba condamna Bango déjà, et puis Likambouane ici là. Mais Oya Rossi, il n'y a même pas un début de procès.
certainement que l'avocat n'a pas lobby. Mon dossier est guéri. Il y a un cas de flagrance. La police a présenté un bateau au Bassala qui m'a cambo. Yo atana muté manayo zondi makezayo. Omonike ezagaga ba mwa makamu na biso ya basai sai ya ba esobe ya ba kajumbu. Alors que ce n'est pas ce que nous avons besoin. Rosia Koufi Ponanine. Moi je salue la mémoire de ce grand homme. Ponanine. Il est mort au front. Et belé bazo koufao na koiba na ba accident ainsi de suite. Mais aussi à Koufi na front azo bunda na liwa azo la kisa le peuple. Et puis à lobby le peuple gagne toujours. Ngai tambwena na mona muto alonga peuple te. Na yebi te. On a connu le maréchal Mobutu. Lobby to moni sur les réseaux sociaux biso na bino. Photo mogo bache raisi 100% na photo batu ba fukami. Bozo mona ke maboma e bani na mboko. Et puis batata wana bazana bana na basi. Bozo mona susu pala ti costume. Donc ça mabe makasi. Ngai loko ngai na zolo bana batu. Omoni ezana ba formule moko to mesana. Ce sont des formules comme telles que bon repose en paix ainsi de suite. Ngai soki na moni biloko wana ya repose en paix. Ezaba Nana moni angote. Soki na moni repose en paix awana kolongula. On n'a pas besoin que Rossi se repose. Finalement soki to lingi to pemisaka ba héros do bunaneni. Biso ba to bunda na ba mbikudo. Donc Rossi ne doit pas se reposer. Rossi bunda na bango lisusu. Comme ça bazanga pongi ba ba ke ba toucha ka n'importe qui té. Yango na lobaka chebe ya bunda na bango. On a un appel ya combat spirituel. Comment spirituel balongo la gamili moti ngana kina kuna te parce que bango ya ko bimisana o nzana katinanga. Donc ezakolo ba ke ndenge to telemia ezala uzana caméra uzana micro. D'abord il faut za la congolais avant ya ko sala musala mususu to bota mandengwana komona makambu tozo sala lokola makambu ya bavoyou lokola makambu ya batu mususu za soni. Nous devons nous battre pour faire respecter les textes de notre pays et d'amener le pays à un pays réellement démocratique. Donc je pense que Rossia Zawana, ngai tangu nazota la Rossi, j'ai dit ça à sa famille. Nalobe moni depuis makambo ya Rossi bandi. Nazo bunda nango ndenge na lobaka lobaka. Ti na suka ata mutu moko ta kobenga alobike ngai na pesa ki Eliezer 100 francs ya kokende ko pesa famille Rossi na zwa kate ngana zo mona Rossi te na zo mona monsieur Tambwe parce que le ce jour là bisonyo se dozaka na terrain ezaki tour ya Rossi ati le prochain tour. Donc so ti za pona mboka na biso pona mibeko mboka na biso pona demokrasi mboka na biso biso tokufu. Ça moi passe. Je pense que le prochain tour de les pour un intérêt pour le mécanisme un intérêt ça la première débat pas quoi arrêter la marche parce que les lois ils ont le droit malam outé. C'est quoi banane baboma. Quand les amis tournent au cas du tourne babo baboma gati. Là on tourne là dingeni. Il faut qu'on tourne babo baboma. Mais c'est tambour là ni arme ni quoi yango na le bâti na bateau bayaki kokanganga baye na camion mobile na vital. Bozangi son bozo ça la dépense inutile pour nous. Ngai même par téléphone je vais répondre. Même tata wana ya police wa koma kokoya, ce qui a hier je vais répondre. On est respectueux des institutions de la République et des textes démocratiques. Mais lokoto zoboya ezaya un groupe d'individus ou un individu a s'accaparé na pouvoir pour na kosala n'importe quoi. Ça on n'acceptera pas. Les Eric Boloko na Équateur. Pourquoi est-ce que corps ya Rossi Mukendi est causé problème comme qui vraiment politisé pour être ça la 3 mois na kati ya morgue. Mutuna mutu abota mana étoile na ye. Mutuna mutu omonika ne to zaboy. Atawa to telim. Omone zana batwa minen. Ya nzoto minen. Zana batwa milai. Zana batwa mikuse zana ya pembe na ya mwindu. Wana soki otali to tangango na sociologie babenyango ba strat biloko wana za nzambe asala que makambo esa le mandengwa. C'est la même chose ce que tali ba marche ya le 19 20 21 batu bakufa ke bele e bele
y a les 31 Batouba Koufi, il y a les 22 Mukolo Rossia Koufi, il y a les 25, sorry, il y a les 25 Mukolo Rossia Koufi, il y a Rossia Betindenge Moussous. Donc, Moutouna Moutouazana étoile naïe, Moutouna Moutouazana Makila naïe Ndenge Gangak. Alors, Rossi, et comment dit le Kola Tshisekedi 2 Mon ami Tshisekedi, je dois vous informer ici que. Pour causer la commission, on a mis en place beaucoup de limba. La même chose avec Maman Marthe, qui est sur sa natte depuis que son mari est décédé. C'est le peuple congolais qui est tant soit peu soulagé. Un peu soulagé dans la mesure où, dans le sens que, on ne connaît pas encore qui réellement a tué Rossi. Et quelle est la sentence pour les criminels? Dans ça, est-ce que vous confirmez que les corps de Rossi Tshibanga, c'est lui qu'on a interrogé ici à la place? Oui, j'ai vérifié, je l'ai vu. Bon, en fait, de son vivant, on n'était pas trop amis. On ne se fréquentait pas avec Rossi, ça c'est clair. Parce que, vous voyez, quand quelqu'un meurt, c'est tout le monde qui cherche à se passer pour des proches. J'ai vu le corps, je vois la photo, je vois que c'est lui. Et j'ai posé la question à sa famille. On m'a dit que c'est lui. Donc, c'est le corps de Rossi. Voilà, comme toujours, nous nous trouvons dans l'espace Assa 9, situé dans la commune de Lingwala, là où les corps de notre héros, Rossi Mukendi, est exposé. Vous voyez que je suis accompagnée de John, la personne qui est partie, Yaza John, et puis Tozana John, il y a pas mal de... des écrits sur les shorts, des banderoles, Namutu, tout ça. Je ne sais pas pourquoi acharnement, et ça dit à quoi bah, écrit Nyosoana. Donc je commence par. Moutaza, Alessina Drapamboka, est-ce que tu as un niveau? Bonjour mon frère. Oui, bonjour madame. Je vais te présenter. Je suis Gauthier Miller Kasongo, coordonnateur du mouvement citoyen de défiance politique Bissau Peuple. Bissau Peuple, si tu as mouvement des citoyens, c'est quoi encore? Bissau Peuple. Bissau Peuple. Pourquoi Bissau Peuple? Parce que ceux qui total bien majorité présidentielle à l'Obarao dirigé peuple. Opposition à Zobunda pour le peuple. Mais dans le fond, peuple a se retrouvé gâté. Yango, c'est quoi peuple et Mo Kalingi a osé voir naïe et Yokama partout. Nous devons se constituer. Et c'est dirigé par qui? Moi qui est ici. Wow! Est-ce que vous assurez quand même que l'Itswana est au Komati Nabou? Ça dépend de Bouwana. Pour nous, il y a des animes. Non, puisque déjà, quand on dit Nakongo, on sait que Nakongo a du mal à hausser la voix. Nakongo, ça au moins tu le sais. Il y a un atouni. Est-ce que vous assurez que l'Itswana au Bandi est au Komati maintenant? Oui, je vois que voix déjà est Bandi Koyokama. Et si Yokami, voilà pourquoi nous sommes traqués pour Bakangabiso. Voilà pourquoi on reçoit des menaces et autres, parce que tozo loba vérité et puis ils ont gêné bango. Et si yo kandi déjà. Déjà nabaton et ou taï koleka, on savait que Rossi Nzotona et Limwaki. Ça se voyait plus à la morgue. Et subitement comme ça, le message est venu, ben voilà, et Robima Lelo, Nenge Bimi. Attends, c'est dû à quoi? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Yo mutozo bunapo na biso pep. Donc c'est dû à la crainte. Au gouvernement en place à Zanango. Vous comprenez? Gouvernement a yebi keno a bomaki motu et que la population tout entière assis à l'embié et puis à Zana Kandanaye. Alors s'il fallait faire sortir le corps deux jours avant, a yeba keno ba répercussion lingez à la mabe, yangonde abando benda er ti tension est diminuée pour Arobimisango après trois mois. Mais ce que le tokam ici c'est que. Si depuis le 25 ti leloyo lutte zaka katozo continuer tozo réclamer à Monique non il y a plus moyen il faut afléchir car en aspiration pour il y a population il y a moins afléchir à pesi biso nani corps wana poto kunango dignement. Qu'est-ce que vous pensez faire à la suite? La suite c'est continuer le combat qu'avait Rossi. Donc le combat c'est libérer ces pays de l'occupation, c'est lutter pour le bien-être de la population congolaise, c'est très facile lorsqu'il y a la volonté collective. C'est très facile et ça le sera. Donc, instaurer une démocratie effective et instaurer un état de droit. Voilà pourquoi même derrière nos polos, c'est écrit « Le peuple gagne toujours. » Même après 5 ans, le peuple va toujours gagner.
pourvu que le peuple gagne. Voilà, puisque nous les souhaitons, nous peuple, nous souhaitons gagner parce que Tonyo comme Mamingue, il faut attendre à Bandeirosco pour abonner la bise au peuple. Bonjour mon frère. Bonjour maman. Pourquoi vous êtes présenté? Oui, comme on a dit, Aaron Mukalengi, Nazali jeune membre du mouvement citoyen Echa. Echa Ezali, engagement citoyen pour le changement. Engagement citoyen pour les changements. Quel changement Bolibo apportez-vous jeune? Puisque on dit que jeunesse congolaise, esa jeunesse mo esa déjà dépravée, esa déjà yakobé ba. Qu'est-ce que Bino Bo apporte pour nakomé ma changement étant jeune? Oui, qu'est-ce que on a retenu dans le lobby jeunesse esa dépravée, esa yakobé ba. Qui a dit ça? Jeunesse c'est une conscience. De récupérer conscience na biso, c'est pas pour rien Rossi Akoufi. A koufi pour la liberté, a koufi pour la kolamoussa, autour de bengi changement. Alors, jeunesse est réveillée, tout continue combat. Ma bomi moko, batigé belé. Vraiment, voilà ce que je peux dire, tout continue combat. Naibi que jeunesse, n'est-ce pas conscient, il faut que na lit, tina souka, tito aux victoires. Tito aux victoires, en tout cas, que le vœu soit exaucé par les très hauts. Je vois encore un autre jeune ici. S'il vous plaît, il est au téléphone. Allo Solola. Donc, Toza, on a sa neuf avec deux jeunes. Voilà. En attendant, il a déjà fini. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, papa? Delphine Mwanza, je suis le membre du mouvement citoyen de défiance politique Bisso Peuple, les porte-paroles. Les porte-paroles. Franchement, ça charge moi et à ma casse, hein? Oui, ça charge à ma casse, mais Toza, si mais déjà étant porte-parole, litnini oyo bo salut déjà parce que biso peuple toza na besoin ya bato ba lobe la biso valablement et puis toza ba résultat comme il se doit. Qu'est-ce que tu as déjà fait ou encore qu'est-ce que vous avez déjà fait étant porte-parole oh Monica même que non ça avance. Bon, premièrement vent oyo toya ki nango ou bien vent oyo toya nango et ça déjà quelque chose oyo to apporter na cerveau ya ba homme politique d'aujourd'hui. Vous verrez qu'aujourd'hui, bah, politique na biso, bazolinga ko travailler na biso pas comme étant bah, adhérent à ba parti politique na bango, mais te travailler na bango na ba synergie. Et ça déjà kobanga, bah, sentir que jeunesse et suit conscience, nous sommes à mesure à se prendre en charge. Sur le plan mental, tu as apporté déjà moi kolongo la kobanga wana ya jeunesse, tu la kisi jeunesse qui osa la capacité à se prendre en charge sans tenir compte il y a ba homme politique et aussi te apporter idée à que la jeunesse doit assister à la table de la prise des décisions pour que l'on ne soit pas menti un jour par les hommes politiques. Quand vous dites assister à la table de la prise de décisions, vous faites allusion à quoi? Bon, nous sommes en train de faire allusion à des bonnes élections si ça va s'organiser. Mais s'il n'y a pas de bonnes élections, on va appliquer l'article 64 de la Constitution. Parce que cet article nous dit qu'aucune personne ne peut accéder au pouvoir par force dans ce sens-là. Donc, Oyonyon sou Azolinga Azo a pouvoir par force, population a la capacité à gobenganaye. Parce que Bisson est tout si au pouvoir et Bisson est la capacité à gobenganaye. Ce qui est élection, c'est limité. Pour biso, tous ont la capacité à prendre ma décision. Alors, toko bengana o la ligne qui organise élection té biso moko to miluke la mutu o toko ki remplacer parce que biso n'est pas ça qui est pouvoir. Merci beaucoup papa Oko Kobakisa. Déjà les élections s'approchent. C'est pour les 23 et à décembre et à vous ne pensez pas que Boza est utilisé par les politiciens, vous le jeune, parce que les jeunes sont facilement utilisés, sont facilement manipulés par les politiciens. Wana osa na raison. Excès en zala, ba jeune doit remis fragile avec fola ba ou utiliser. Mais biso au moins toza parmi ba élite ou to prendre conscience, to comprendre neni masole zala. Je crois que le porte-parole a tout dit. Mais dans la sara mo annonce moko ya important, le 25 ou toza na action neni na statue à Lumumba. Toza la wana na limité. Ils ont action moko ya 2 heures du temps. Donc, on voit tout à l'ingi à venir en Boganaï, à la bien au pénal, à rejoindre Bissouana, 16h, à ce moment à 2h, non violente. Ils ont été au fin à ce début, surtout à Ben Politi. Chadam, dans un jeune à Ben Poli, au bien à Sogi, va finir maman, un peu finir maman.
biso eza pena action moko ya bato oyo mitu esala ke ba jeune oyo bana conscience et puis oyo balingi mboka na bango. Président Nini Rosala, exactement le 25, qu'est-ce qu'il y aura? Voilà, voilà, c'est bien. Et on a compris que la population a peur maintenant. Alors il faut tout ça là-bas, action Moroboe, où ils ont mettre en confiance et puis ils ont sécurisé. Donc action les 25, c'est purement une action symbolique. Annoncé Makambo Munene au Bandole Kanamboko. Donc le 25, Tozalawana pour fustiger et dénoncer la violation de la liberté fondamentale. Mikoloyo, ce que comme il a vu contraire, comme il a vu contraire, il y a OAMP directement, il y a un tracassé, il y a un levé. Ce que ça, les logos qui sont là, ils sont là, ils sont là, on te met en prison sans même pour autant qu'on s'en bise. Vous comprenez? Ce qui organise marche, le CLC, organise marche pour revendiquer l'application intégrale et l'accord. Bazui bakomo lukaba kangayo batia na nani na exil forcé. Alors nous jeunes tokoyawa nous cette population congolaise biso peuple tokobima tokolakisa mokili mobimba ke tolingi makambo wana te. Et si le gouvernement en place a kozonga na raison te atika kolanda nani kolanda ba banani ba cadre ya CLC atika ko emprisonner arbitrairement banani ba activiste soki asali eloko wana te. Donc, il y a un problème dans la population, d'où il y a un délai après le 25. Là, nous allons commencer avec des actions de grande envergure. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Tu es trop sûr de toi? Mais écoutez, je ne sais pas que je suis trop sûr de moi. Biso Peuple, ce n'est pas moi. Biso Peuple, c'est toute une base. Biso Peuple, c'est une grande structure. Je suis sûr des aspirations du peuple. Peuple, est-ce qu'il y a baillé? L'équipe est à micro, maman, il y a un journaliste. L'équipe est à micro. Est-ce que l'ingi Kabila a longwa? Et l'ingi a longwa? Alors, lorsque cette population-là, à l'objet que non, papa est kende. Mais il y a tellement de dirigeants, mais comme on est comme ça, comme on est comme ça. Bon, c'est pas grave, on verra. Madame, il n'y a pas élection le 23 décembre. Ah bon? Oui. Il n'y a pas élection le 23 décembre. Avec toutes les propagandes, émissions télévisées. Vous savez très bien ce qui se passe dans ces pays. Tantôt on ne va pas négocier avec les rebelles, tantôt on négocie avec eux. Donc aussi, tu es Kalateo, Nani, Katumbia Zamoto, 100% Nabiso, Lelo Katumbia Komi, Nani, sorcier. On sait ce qui se passe. Mais le 23, bah, indicateur Nyonso. Oh, ils ont un accord, il y a Saint-Sylvestre. Oh, ça a été redynamisé la CENI. Oh, il y a des crispations politiques jusqu'alors, non, ça limite. Vous croyez que nous irons aux élections comment? Oui, les élections, bah, on a ça le 23 ans. Ils ont des élections à Bango. Mais la population, il y a Bango comment, non? Je peux vous répondre. Il y a Bango parce que Bazou exclure, Batumusu va postuler, Bamisou va y en appeler, Bamisou va se rendre à la prison, Bamisou va couper la couna sans pouvoir être jugé. Or, nous, les élections auxquelles on veut, ce sont des élections libres, transparentes et inclusives. Vous voyez, au côté de Samoutou Nyonso, et des élections qui vont nous apporter pas seulement l'alternance, mais une alternance alternative. Donc, tu as l'ingité au longoli Kabila, au tiens, tu as Kabila, à quand Kabila, tu as besoin, tu as besoin, tu as longoli Kabila, na batunaye bakei, tu tiens, tu as besoin, souffle à Sika, et souffle à Nézaba jeune, et Zabiso. Vous êtes sûr quand même que non, souffle à Nézika, oui. Oh, Bozan a besoin, Batia, va apporter en plus, oui. Et surtout au regard de jeunes, parce que oui. C'est beaucoup plus de jeunes hein, qui sont victimes. Si. Vous êtes sûr que vous avez besoin de la présidente. Ah, oui, ma souffle à non, on a posé le président qui est ici, on a tout nié boyé. Le coordonnateur, voilà. On s'assure que Mouto Bino Bolingi Azala est élu. A Komema, souffle moi Yassika, avant Yassika, au regard de la jeunesse. C'est une bonne question. Et ça, c'est un Mouto population Olinga. Et pour toi, Mouto population Olinga, il faut organiser l'élection à bien. Au Moutounion, ça s'est présenté. Alors, tu vas évaluer le projet des sociétés. Ce qu'ils ont répondre à la question d'Ozanango actuellement, nous allons les voter. Oui, nous, société présidente, ça a un cas à Maloba. Dans le Biboué, Biso Peuple, ils ont Maloubaté. Biso Peuple, c'est ça. Oui. C'est un cas à Maloba. Parce qu'ils ont même sur la salle à 5 Nino. Oh, Nini, Nini. Si le lobby est ici, on a un cas à Maloba. Madame, je crois qu'il y en a Oyebi, Adage Lobby qui a Biboara. Donc, attends, il y a Moïbo Aïba déjà. Attends, il y a Maloba. C'est quoi Iba les sous, non? Il y a moins de l'action, les sources. Si vous avez travaillé bien, vous avez travaillé bien. Voilà, papa. Voilà, on continue. Ma jeune, bazar vraiment déterminé. Il y a quoi apporter en plus ou encore changement. Parce que, ma fille, ma lobby,
jeunesse congolaise est déjà yakobeba. Jeunesse congolaise est déjà yakokufa. Donc on peut faire sa biso ba jeune confiance parce que tu as déjà yakobeba. Tu peux dire quoi par rapport à ça? Non, nous sommes les gens et les jeunes. Nous sommes les jeunesse et mauvaise jeunesse. C'est-à-dire que mauvaise jeunesse, c'est-à-dire que bébaté. C'est ça. Biso ba jeune. Biso to lingi changement. Nous sommes présentés, mais je suis des combattants de l'IDPS. Nous sommes les changements, tous les changements. Combattants de l'IDPS, n'a profité. Pays de l'IDPS, on a juste commis dans combien un combattant. Non, l'IDPS, oh, biso, oui, merci beaucoup, merci. Merci, non. Non, oui, c'est réaliste. Tu sais que dit, à Tiki, biso, on a siège. À Tiki, biso, on a douche, on a toilette, cité. Qui sait qu'on a Tiki, biso, on a siège. À Tiki, biso, on a siège, il faut s'en mêler, hein. Il faut le bagarre 4 IDPS. Non, c'est là. Qui c'est qui dit? Tantôt IDPS il y a X, tantôt IDPS il y a. Qui c'est qui dit? Atiki, secrétaire général au Congolais, le service, c'est Jean-Marc Kabound. Oh lelo. IDPS qui n'a qu'à citer. IDPS, c'est mon IDPS. Non, c'est là. Oh lelo, ton sali congrès, ton monsieur président, son Félix, qui c'est qui dit? C'est-à-dire qu'on peut reconnaître Jean-Marc Kabundu. Tu as un jeune noté que nous sommes les combattants. Tu as un combattant qui a commencé à te. Pour toi, il dépense la cima à moutouté. Tu as un IDPS qui a manioré à te la goubaté. Tu as un peu de bango. Qui serait de salir l'île si tu as couffé à te faire couper sa jeune mort de 2000 fois, 3000 fois. Nabani IDPS la divorce à papa la maman en aïe. Dans 98, je suis combattant. C'est-à-dire qu'on va corrompre un éloroté. N'aïe ben marossi à voir. C'est pas de peste qui est bien aussi. Bien sûr, il y a des peste qui sont bien aussi. On combat. C'est-à-dire que le président force de progrès à IDPS Ngaba. Il y a des gens qui sont bien aussi. Il y a des gens qui sont bien aussi. Il y a des gens qui sont bien aussi. Il y a des gens qui reconnaître que Jean-Marc Kabound, comme qui serait dans la Koufi, a dit qu'il y a Jean-Marc Kabound, Lélo Félix, tu as le congrès, IDPS est mort. Maman, peine à une on a eu ça yo. Il dépense un temps d'esprit. On est sur tout baloba. Oh tout baloba de il dépense. T'es là. Ton l'accès pour que il dépense. Félix Oba Fingara il est très. Mais Lelo a sali meeting la Saint-Thérèse. Est-ce qu'il a sali la mienne? Té, bisomo nga na tsai 10000. Ngai na tsai 10000. Ton côté la nion sur ba sala meeting la Saint-Thérèse et mela bango. T'es là. Espoir qui se que des pas bateau bazan non corrompu. Espoir c'est que des Ezali au hasard sage, au aligné changement mboka, au aligné peuple congolais changé. Espoir c'est que des ana. Pour papa la sorti à Koufi intérêt famille na baleki na bande ko na été. Tout le baïde pèse ni maman, il pèse c'est mon président Félix tu sais que. Je suis je suis très fier. Ton sala congrès Félix a mis ni s'enfronter. Oh ya paix ça va. Ngai na lala. Na lala na konga il dépense. Na paix ça est le côté. Ce que yo luko paix ngai. O somba conscience na ngai. Si on peuple ba somba conscience c'est ga médiocre. To ko buna il dépense na loso na kufi. O ba ota la ngai ba kunda ngai. Merci beaucoup. Posta akende ko sa il dépense akende na kinga kati. Si bo sa il dépense akinga kati. Il dépense za moko. Oh bah c'est là les amis, il dépense à Kingakati, il dépense à Moko, beaucoup de ce qui est bien sûr, il a rapport. Mais besoin moi t'as que vous savez peuple n'a éperdement, puisque bah tout baby Félix, tu sais qu'il est président, qu'on a président tout ça Mimi, il doit passer comme ils sont 40 de fois. Madame. C'est là c'est comme parce que c'est comme voilà. Madame, c'est comme que mon il dépense à table participer Mimi, il dépense à Moko. On les alisanga ya. Comme le quoi MLC de Komarado, non? Non, MLC tout autre bah MLC ça Moko bisto ebi, il y a Jean-Pierre Bemba. Ah, à l'époque, oui bien sûr, mais le autre bah solo il dépense à Moko maman. Non, ça autre. Vous comprenez? Il dépense ya il est Moko autre bien comme ya. Ya fatch. Bonjour, je réponds au nom de Christian Lima, coordonnateur principal du mouvement citoyen IJAC, donc Union de jeunes pour le respect de la Constitution. Vous assumez hein, de jeunes comme ça hein. En te voyant, tu es encore trop jeune, même en âge. Mais c'est notre devoir étant que citoyen congolais. En fait, je vais simplement marteler par rapport à l'article 16 de la Constitution qui dit que
L'État a le, la personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. Mais nous sommes en train de voir au Congo, M. Kabila ne respecte pas la constitution, non plus la personne humaine. Donc l'État congolais, toute la personne à Kabila ne respecte pas la loi. Raison pour laquelle nous, le mouvement citoyen IJAC, nous déclarons une transition sans Kabila. Parce que nous savons très bien que M. Kabila n'a pas la volonté d'organiser les élections démocratiques. Mais ils disent que c'est prévu pour le 23 décembre. Ils disent que c'est attendez prévu. Un peu, attendez un peu. Avec la machine à voler, nous devons savoir... Il y a déjà la machine à voter, il y a déjà les essayages et tout. C'est une machine à voler. Parce que la majorité présidentielle a réservé des choses pour bien triquer là-dedans. Et puis nous savons très bien que Kabila a le plan de se présenter encore une fois. Raison pour laquelle nous, le mouvement citoyen IJAC, nous déclarons une transition sans Kabila. Kabila ne respecte pas la loi, non plus les accords. Kabila n'a pas respecté l'accord de la CENCO. Donc, raison pour laquelle nous déclarons une transition sans Kabila. Donc, l'accord de la CENCO est mort. Donc on ne peut pas lutter ou revendiquer sur un accord mort parce que Kabila n'a pas respecté l'accord. Nous déclarons une transition sans Kabila. Merci beaucoup. Le peuple déclare une transition sans Kabila. Un mot, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce que les autres ont déjà dit? Oui, par rapport à ce que les autres ont dit, nous sommes venus pleurer, honorer notre héros Rossi Mukendi, qui a été abattu dans une marche des laïcs. Et voilà, aujourd'hui, nous le rendons le dernier hommage. Et nous voulons rappeler à tous ceux qui tuent le peuple congolais. Puisque au Congo, une revendication devient une insulte pour ceux qui nous dirigent. Mais alors, c'est leur occasion de tirer sur... Aussi. Mais les revendications ont été toujours pacifiques et en respectant la loi. Alors, les ennemis de la République, les ennemis du peuple ne veulent pas que le peuple congolais parle, se manifeste et puis... prouve son mécontentement. Alors, celui qui est à la base de ce que nous constatons dans notre pays, c'est la personne de M. Kabila. Alors, nous, le mouvement citoyen UJC, nous sommes pour qu'il y ait une transition sans M. Kabila. Donc, au 23 décembre, s'il n'y a pas d'élection, M. Kabila doit nous laisser le pays et on va aller à la transition sans lui pour finalement qu'on ait des élections apaisées dans notre pays. Vous ne trouvez pas que transition, il devrait normalement quitter depuis 2016, nous sommes en 2018, si vous demandez encore la transition, ça fait du trop quand même. Non, mais madame, vous voyez, nous sommes dans un pays où les gens veulent s'éterniser au pouvoir. Alors, on ne peut plus compter sur ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Alors, pour ne pas plonger le pays dans un chaos total, puisque nous vivons déjà dans un chaos, alors il nous faut se débarrasser de ces gens-là. Donc, M. Kabila, qui est à la tête de sa mouvance, doivent quitter le pouvoir pour qu'on ait aux élections apaisées et que le peuple, notre peuple retrouve sa dignité. Merci beaucoup, que le peuple retrouve sa dignité. La dernière personne pour l'intervention de cet après-midi, bonjour. Oui, bonjour, bonjour madame. Présent. Oui, je me présente au nom de William Kabongo, je suis membre des mouvements citoyens IJRC. Nous sommes là d'abord pour plaire notre héros, Rossi Mukendi, activiste qui nous a laissé. Nous avons vraiment souci dans nos cœurs. En voyant qu'il a laissé sa femme avec des enfants, ils sont maintenant orphelins. Donc nous sommes vraiment touchés au cœur. Mais ce qu'il parle à propos des élections, nous ne voulons pas, ces choses-là de transition, nous ne voulons pas cela. Il ne faut pas qu'il y ait des transitions, que ça soit, puisque le peuple congolais ne doit pas être toujours pervers. Nous sommes là pour nous battre, pour qu'il y ait le respect de la constitution. Afin que nos autorités congolaises doivent respecter la loi. Donc, peuple congolais, vous avez droit à manifester, à marcher pacifiquement pour réclamer, revendiquer vos droits. Nous sommes là pour nous battre et non pour être le pervers. Puisque quand nous restons des pervers, donc, il y a des gens, ces gens-là qui nous veulent, quand nous avons peur, ils voient que ces gens-là sont pères. Comme ça, on peut les tourmenter, les troubler avec des gaz crimogènes. À ce moment-là, ils ne peuvent pas revendiquer. Ils vont rester à la maison. Peuple congolais, je demande à tous les peuples congolais, tous les citoyens congolais de se mettre debout pour que nous ayons aux élections le 23 décembre 2018. Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Yeah.
Kintobika, Amokene. Yeah!
Voilà, c'est ici qui prend fin la première partie. Il y a spécial Rossi, donc c'était juste pour vous faire vivre ambiance aux Auréliens à Moï. Comment est-ce que le jeune s'est mobilisé pendant qu'on est là, les Konabaro jeunes, avec de larmes aux yeux, bien que c'était tellement très mouvementé, mais c'est une façon de stimuler aussi d'autres jeunes. Il y a que ces jeunes Konabaro pour cette lutte de Balobi, la libération. Il y a jeunesse. Un grand merci à toi, Patti Mukombo, qui assure la prise de vue de cette émission. Un grand merci comme ça à Carmen Kitambala, Big Salam à Glody Mandangi, Mama Stadi, Silabika Patio également. Un clin d'œil comme ça à celui qu'on appelle Christophe Mafout à l'Edouard de Paris. Un clin d'œil aussi à Landry Barthez, Mabé Zéro. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.